Mon mari, le peintre barbier. Arthur? Excusez-moi, vous allez vous présenter le peintre Villeneuve, mon époux. Monsieur de Québec. Ça, c'est ma madame, pour ses clés. Monsieur Gagnon. Monsieur Gagnon. Chantez, monsieur Gagnon. Félicitations. Ben, ensuite, ici, vous avez la toileuse de Livy. Est-ce que je vais continuer à parler ou tu vas parler? On va parler toutes les deux. Vous avez un volcan. Excusez-moi, c'est moi qui parle. Mon mari qui parle pas assez. Franc. Vous avez une partie de la ville de Chicoutimi. Vous avez le coin des petits. L'hôtel Champlain. La maison d'un de mes vieux oncles et un lac. Vous avez le sort en haut, le sort en bas. Dedans une chapelle, une gare des Rocheuses. Vous avez Montréal, l'Ulaltaine. L'hôtel Saguenay, Pierre Saint-Ange, Adrien Lavoie, la maison de Jean de Murdoch. Vous avez le Saguenay qui commence là, traverse un châssis qu'elle a, traverse mon autre châssis, traverse ma porte et monte jusqu'en haut. J'ai eu une très malchance. J'ai échappé ma planche repassée dans ma vitre. Wow. Et j'ai collé 350 petits morceaux. Si j'aurais pas eu les bords faits par mon mari, jamais j'aurais eu réussi de coller une vitre. Venez passer votre main, vous allez voir. Les cordes, passez votre main. C'est merveilleux. Ça, c'est un conseil. Vous voyez? Vous avez des bêtes ici. Vous avez la terre, les spoukniks. Vous avez la rue Morin, Saint-Saint, le restaurant. Le dentiste, le barbier. Ça m'est venu d'un coup. Si j'avais des murs, je ferais quelque chose de bien. Je ressentissais quelque chose qui était supposé se développer. Hein? Je ne savais pas ce que c'était. Mais là, j'ai eu une tendance à demander ces murs. C'est tout. Ah, tu te fous, les peintures mes murs? Enfin, ça a passé comme ça. J'ai descendu dans la cave. J'ai commencé à fabriquer un bateau. Elle dit, ce que tu fais là? Je dis, tu t'as pas fait un bateau. J'ai dit, avec ce bateau-là, je traverse en Europe. J'ai dit, tu embarques à Canardé, puis moi, j'embarque à Canada. Fait que ça reste là. Es-tu fou? J'ai dit, c'est pas fou, il n'y a pas de fou là-dedans. J'ai dit, après ça, je me fais une tour, je me fais une maison. Ça, j'ai dit, à tour, ça va être pour me guider sur l'océan. Et puis la maison, c'est quand j'arriverai du voyage. Là, j'ai décidé de commencer une peinture. J'ai arrêté un bout de mur en haut pour faire une peinture. Tu m'en donnes, tiens. Elle s'est pas décidée tout de suite. Ah, dans tous les cas, elle s'est décidée. Prends ce mur-là. Là, j'avais fait une belle peinture qui représentait une scène de la citadelle de Québec, à Talmont-Cam. C'était beau, puis il y avait des fameuses couleurs dedans. Ça fait que là, ben, j'ai demandé une autre partie de mur. Quand j'ai fini la peinture, elle trouvait ça beau, ça. Mais à force d'en demander, des morceaux de mur, j'avais mis de l'or là-dedans. C'est une chose que j'avais ressentie. Si je dis, c'est un don que j'ai eu, moi. C'est un peintre naïf primitif. Puis je vais rester peintre naïf parce que la peinture naïve, ce qu'on ressent, ce qui est intéressant. Non pas de la reproduction. Si je ressens une personne belle, m'en va faire belle. Si je la sens laide,
laide, elle va rester laide. Là, elle va, je vais en sortir tel que je la ressens. Mon mari était barbier depuis 34 ans de métier. Commençait à faire de la peinture, j'ai dit, le monde va rire. Même moi aussi, j'ai ri au commencement de lui. Je me cacherai pas, je vais vous le dire. Je le trouvais fou dans ce temps-là. J'ai dit, t'es fou, t'es toujours bien fou. Puis il y a bien des moments là, que j'ai tout serré ses toiles, puis je l'ai envoyé à pêche. Vivre avec des artistes, c'est assez embêtant. C'est parce qu'on a eu beaucoup de monde, les gens ont beaucoup jasé. Parlez mal, parlez bien, et ainsi de suite. Hein? Mais il avait beau parler de mal de ma réputation, moi, ça vivait une firme, ça. Ça rentrait d'un arrêt qui sortait par l'autre. Comme vous voyez que le vendredi, c'était une journée de ménage, puis je commençais à vouloir faire mes tartes, des pâtés au saumon. Puis ma pâte était sur la table, prête pour rouler. J'ai pris une nappe, j'ai envoyé par-dessus. J'ai reçu les gens, puis on est parti à 11h30, puis les enfants arrivent d'école à 11h30 pour dîner. C'est ça, moi, que je voudrais essayer. C'est vrai, je voudrais essayer d'avoir un milieu où avoir une cuisine, qui me rendit une cuisine, pour que je puisse faire que je sois chez nous. C'est là que je suis pas chez moi. Là, je me dis que je suis en promenade. Il t'a pas dit alors qu'il faut 15 jours sans faire de toile. Moi, avec la femme, assez contente. Voilà la chasse. Parce que savez-vous pourquoi? Vous montez en haut, on étouffe dans la peinture, on étouffe dans la térébentine. Mais avant la chasse, ça va aller. C'est juste si on mange pas de la peinture, là. Ça m'achète, ça tombe sur le cœur. C'est fort, ça fait 8 ans que je suis dans ça. Ça fait 8 ans que je suis en peinture. Alors, quand je vais ailleurs, là, c'est ce que je fais. En rentrant, je me remplis les deux yeux, là, de voir les beaux murs blancs, roses, verts, toutes sortes de couleurs. Je m'en viens ici, puis... Tu rentres dans un château. Je rentre dans un château, oui. Ça manque. Un petit château. Si ma maison t'avait bâti en pointu, là... En pointu? C'est comme les anciens châteaux. Dans le temps des cordes. Hein? J'espère qu'ils vont me donner une petite maison. Je demande pas grand-chose. 4 chambres à coucher, un petit salon. Une buanderie, par exemple. Une cuisine, la chambre de bain, c'est tout. Et sous-sol pour mes enfants. Un char. Non, on le char, non pas ça. Non, non, la caisse. Moi, ça m'en prend un char. Il faut que j'en ai un char. Avant longtemps. Parce que... faut sortir, hein. Aller voir les montagnes, aller voir les beautés de la nature. Est assez rare. Elle n'est plus comme autrefois. Il pogne plus ça à la poche. Ça fait que c'est pour ça que j'en représente dans les montagnes. Lorsque le monde passe en machine, tu vois, à pied, il s'aperçoit que les montagnes, il y a toute une poésie. Il y a toutes sortes de choses à la montagne qui donnent la force à l'homme d'être plus fort que dans la ville. Et il me semble que dans les montagnes, la personne prend plus de force. J'aime les choses merveilleuses, la création. J'aime les montagnes, beaucoup. On voit que ce que le bon Dieu a fait, c'était bien fait. C'est une création extraordinaire. Aucun artiste pourra le déposer. Tout lui appartient. Plusieurs disent qu'il est primitif et naïf. Il a rendu 53 ans, puis quand ils me disent « Ton mari, il est resté enfant. » C'est pas drôle. On va dire, tu vois, moi, c'est un artiste, c'est un poète en même temps, parce que... Je sais pas écrire. Et puis, enfin, plutôt de parler, je parle pas. Je m'exprime sur mes toiles. Vous avez sur mes toiles tout ce qui fait dans la vie du bon. Thank you.
J'aime le métier de barbier, puis j'aime le métier de peintre. Je préfère plus le métier de peintre parce que... Je dis que les jours sont moins longs. On travaille une journée de 20 heures, puis ça nous paraît à peu près 7-8 heures. Les dernières fois que j'ai travaillé le métier de barbier, je trouvais les journées longues. Et puis, c'était une paisée pour moi quand j'ai appris de temps en temps à l'hôtel-dieu pour travailler au métier de barbier. C'était une paisée. J'ai des amis à Montréal qui m'ont dit que j'avais pas besoin de prendre mon métier de barbier parce que un artiste supposé de vivre avec ses toiles. Ce sont les collectionneurs qui sont supposés faire vivre l'artiste, s'organiser pour faire vivre l'artiste. L'artiste, aujourd'hui, il n'est pas supposé de crever de faim. Il n'est pas supposé de faire crever sa famille. Ensuite de ça, il faut vivre. On se sacrifie pour faire des toiles, jour et nuit. C'est pas pour nous autres. Moi, je suis attaché aux toiles. J'aime les toiles. J'aime Villeneuve parce que... J'aime parce que c'est j'aime. Hein? J'aime ça. C'est primitif et naïf, c'est du Villeneuve. Et lui, il a vieilli, mais il est resté en lui-même petit. On sait bien, si le bon Dieu lui a donné cette œuvre-là, qu'est-ce que vous voulez faire? Il a été 34 ans de métier de barbier. Là, il a donné un autre métier. Rassez un autre métier. Si ça fait pas, il reprendra le métier de barbier. Ben, comme tu vois que je suis pas un gars ordinaire. C'est un gars extraordinaire parce que ah oui, vous n'avez pas vu une toile. Une toile pareille. Chaque toile, c'est une toile différente. C'est un phénomène unique au monde.